démocratie est un néologisme. Il vient d'être créé en 2022 par moi-même, Isidore Ayatollah. Ce néologisme définit la situation d'un peuple qui est impuissant à ses souffrances. Dans les cas des régimes politiques liberticides, antisociaux et criminogènes, l'inertocratie d'un peuple reste ou devient le préalable à la violence et aucune contre-humanité. Mais il y a des exceptions. Installer ses propres constitutions dans celle du 20 janvier 2002 puis celle du 6 octobre 1515 et 6 novembre 2015. Donc les constitutions, c'est ça, ce que sont les biens de l'acquis, c'est sans fin. Les gens
sert pas entre eux. Et voilà, on voit l'esclavage, la colonisation, on peut faire ça. Parce que même si ça se soit disant être étranger, étranger, mais c'est un Africain, c'est un homme, il est chez nous, il est en Afrique, il fait ça comme ça, pour pas semblable. Donc on doit accepter ça. Surtout au regard des enjeux déjà interraciaux. La respectabilité interraciale. Thank you.
podcast 2021. Et tout le monde est là. Or, nous avons l'air pour les mêmes. Mais c'est les dangers. Je vois qu'il y a les dangers. Puisque nous sommes devenus tous des moutons. Mais attention, derrière le mouton, il s'est caché. Nous peut en cacher un. Et nous en avons beaucoup plus. Je suis là pour alerter les assauts et les guérisons. Les assauts et les guérisons. Les blancs faits d'attention. Priez que la France, l'Occident et vos soutiens extérieurs vous soutiennent jusqu'à la fin de ce monde. Vous avez fabriqué un morceau froid qui s'appelle le temps. Et dans le temps, on ne sait pas qui est qui. Vous avez privé les Congolais de l'accès au but même de la condition humaine. L'accès à l'éducation, à la santé, à la justice, à la culture, au cadre de vie, etc., etc. Vous imaginez comment on peut faire du mal comme ça, même si vous avez reçu des ordres de la France Afrique, de la France, de l'Occident, des Blancs et autres. Gardez quand même pas de la raison, pas de liberté, de dignité, de vous-même et les autres aussi, c'est pas la peine d'empathie. Mais là, vous êtes en train de traîner des yeux comme ça, pour aller tuer les gens. C'est tout. Ça se fait depuis le monde. C'est tout.
démocratie, parce que les Congolais savent que l'idéatocratie est le préalable à la violence. Et le plus probablement de les nécessités et de la force africaine à l'échelle du Congo. Les Congolais inertes et impuissants voient leur pays voler à la dette, à la privatisation de l'État congolais au profit du dictateur Sassou Nguesso et son camp. Et sans oublier ses nombreux soutiens extérieurs, le Congo est gauche. Sassou Nguesso est debout contre nous, peuple congolais, contre ce pays. Et pour combien de temps encore? Historique. Qui des peuples et des nations ont disparu. Le Congo Brazzaville est proche d'être l'un des cas d'école des grosses écoles de l'inertocratie. Historiquement, il y a eu des peuples et des nations qui ont disparu, et c'est toujours de cette façon que se sont passées ces disparitions-là. Nous sommes là vers la voie de la disparition. Cette façon que le changement s'est produit. Donc, nous avions peut-être des dignes fils du pays qui sont du nord au sud. Si les contrées militaires, ils sont aux aguets, ils cherchent la moindre faille pour que, d'ici peu, nous soyons au palais du peuple. Tant que nous sommes militaires et civils, nous avons ce droit et devoir là. Ça, ce n'est qu'un être mortel, bien que nous passions sur terre. Il ne va pas nous laisser une merde. Même si les revanchards, les deux, quand on s'y retrouve, tout est là, c'est une bombe à retardement. Et nous le savions très bien que le Congo est assis sur une bombe à retardement. Donc c'est bon, abaisser ces tensions-là que nous étudions, si on peut distribuer ces connaissances, cette mémoire-là, puisque nous avons besoin de cette mémoire commune pour que nous puissions avancer. Parce qu'un peuple sans mémoire, c'est un peuple perdu. Et voilà pour nous. Le cas d'école pour mon droit et devoir aussi des citoyens congolais. Je vous remercie.